Écoute-moi, ma fille. Un homme ne change pas du jour au lendemain. Il y a certaines habitudes, certains réflexes qui prennent des mois et parfois des années pour changer. Tu es marié avec un homme. Ça fait par exemple 2 ans. Penses-tu qu'un homme qui a grandi pendant 40 ans dans un environnement familial où il devait élever son ton, parler avec une tonalité haute pour se faire respecter, parce que tu lui as fait la remarque de changer son ton de te parler, et tu penses que même s'il a la bonne volonté, même s'il veut faire l'effort, et tu penses que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, il va changer automatiquement. Non, ma fille, il faut la patience. Il y a des réflexes, il y a des habitudes que certains hommes ou certaines femmes ont acquis avec des années, pendant leur enfance, avec leur éducation, avec leur culture. Même quand on a la bonne volonté de les abandonner ou de les changer, ça demande beaucoup de temps et de patience. Voilà pourquoi j'aimerais dire les secrets d'une vie de famille paisible, c'est la tolérance. Sois tolérant, ma fille, sois tolérant et patient. Sois tolérant, un homme qui est colérique, croyez-moi, il ne deviendra pas doux du jour au lendemain. Il faudra que tu puisses parfois supporter ses crises de colère ou son ton haut et sois patient avec le temps, même quand tu l'auras la bonne volonté. Mais c'est un réflexe qu'il a acquis durant des années. Voilà pourquoi j'ai dit, sois patient. Pareil aussi, toi, mon frère, mon ami, mon fils, sois patient avec ta femme. Il y a des habitudes qui ne s'abandonnent pas aussi facilement. Je suis convaincu qu'avec la volonté, la paix c'est possible, le bonheur c'est possible. Mais dans certaines situations, il faut la patience et le temps. Parce que malgré la volonté, il faut un processus. À bientôt. 4 points importants avec lesquels tu peux discerner et distinguer un homme sérieux qui veut te marier d'un aventurier qui vient simplement pour s'amuser avec toi. Le premier point, un homme qui vient seulement pour s'amuser avec toi donne sa priorité au sexe. Quand vous rencontrez un homme, il est pressé. Il ne cherche qu'à coucher. Cela doit vous mettre la puce à l'œil. Cela doit vous aider à comprendre que cet homme-là ne cherche que à s'amuser avec toi. Même quand il va te promettre le mariage, même quand il va te promettre des choses, il faut être très prudent. La deuxième chose qui prouve qu'un homme n'est pas sérieux avec toi, c'est quand il ne se projette pas avec toi dans l'avenir. Quand il ne te parle pas de l'avenir, quand il ne te parle pas de ce projet, quand il voit que le présent, ça veut dire que c'est un homme qui ne veut pas faire un long chemin dans la vie avec toi. Le troisième point, ma chérie, avec lequel tu peux facilement distinguer un homme qui veut s'amuser avec toi, c'est quand il ne s'intéresse pas à toi, à ta personne. Il voit ton corps physique, il aime ce que tu peux lui apporter physiquement ou financièrement ou sexuellement, mais il ne s'intéresse pas à ta personne. Si tu as des enfants, il ne s'intéresse pas à tes enfants. Si tu as un enfant, tes problèmes ne le préoccupent pas, voilà. Il est là simplement pour tirer profit de toi sexuellement ou financièrement. Quand un homme ne s'intéresse pas à ta personne, c'est qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas ta personne.
Et quatrième point, pour distinguer un homme sérieux d'un aventurier, c'est quand cet homme-là ne veut pas se présenter à ta famille ou quand il ne veut pas te présenter à ta famille. Cela veut dire simplement que il n'est pas assez sérieux, il n'est pas assez sûr de son engagement. C'est vrai, c'est pas facile, mais avec ces quatre critères, tu pourras au moins te protéger. Que Dieu te bénisse. Sana ahora. Espíritu de muerte, tú se va. Muerte, enfermedad, parálisis, tú se va. En el nombre de Jesús. Victoria. Solo la gloria. Solo la gloria. Solo la gloria. Solo la gloria. Ahora. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dépose tes fardeaux au pied du Seigneur, maman. Dieu pourvoira. Dieu prendra soin de nous. A déjà prévu la solution. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu prend soin de toi, maman. Essuie tes larmes. Et combattons dans la prière. Combattons. Quand tu pleures, il pleut dans mon cœur. Jésus-Christ t'a dit, qui de vous, par ses soucis, il peut rajouter une coudée à la durée de sa vie. Ne vous inquiétez pas de lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Fais confiance à Dieu, il pourvoira. Fais confiance à la parole de Dieu, car il dit, jamais il t'abandonnera, jamais il ne te délaissera. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle.
Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs en paix en Christ. Oh mes amis, s'inquiéter ne change rien. Crois simplement que Dieu va honorer sa parole. Tika pour la maman, tamouna bisou koya, Nzambe a pouvoir kabi sauter. Est-ce que ce mona, ce soit Waki Maki? Bongo poli nos okanza ke Nzambe, a kobosa na bisou. Bonjour, chers amis téléspectateurs, je suis très content d'être avec vous, comme on dit, moins content de parler avec Zod. Yo soy muy contento de estar contigo et de hablar de la palabra del Señor. Esta palabra tiene poder para cambiar tu vida, para realizar todos tus sueños. I'm very happy to be here with you for preaching a gospel of Jesus Christ. I believe that if you have faith, you take faith in God, you can realize all your dreams. With God, everything is possible. Voilà, asepeli mingi, ma petit. Ko kabulana bino liloba na kolo paske na yebi ke liloba oyo ezana mutuya ya kosunga bino nyoso pe ya kopesa bino boboto pe na réussite na vie na bino. Gloire à Dieu. J'essaye de parler toutes ces langues parce que vous savez, l'émission est suivie dans le monde entier par le biais de onction.com qui est notre canal. Onction.com qui est un site international, je crois que le plus grand site entier, parce qu'il a plus de 18 000 adhérents et plus de 102 000 fans, donc le un quart de la Guadeloupe, dans le monde entier qui nous suivent. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet particulier, un sujet percutant. Je suis actuellement aux Antilles, je suis actuellement en Guadeloupe. Je suis venu spécialement pour faire ce séminaire de gloire. Hier, on a passé un temps merveilleux dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et ce soir aussi, venez nombreux à Bergevin face à Cachafer. Il y aura la délivrance, les guérisons, la prière d'onction. Et nous avons aussi demain matin à 9h30, je suis là. Et demain soir à 19h, je serai là. Sans oublier que à 16h, il y aura baptême à la plage de Boisjolan. Demain à 16h, il y aura baptême à la plage de Boisjolan. Pour tous ceux qui veulent être baptisés par immersion. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de blocage spirituel. Les blocages spirituels et développer un sous-chapitre sur les maris des nuits. Alors, c'est quoi un blocage spirituel? Le blocage spirituel, parfois,
les non-croyants appellent ça la malchance. Ils disent j'ai la malchance. Et j'ai la malchance parce que il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Quand c'est mon tour, il y a toujours une anomalie qui se passe qui fait que je n'avance pas. J'ai l'impression que je n'avance pas dans la vie. Je constate que mes cousins, mes cousines ont réalisé leur rêve. Peut-être que mes amis d'école avancent normalement. Mais moi, j'ai l'impression que ma vie ne bouge pas. Donc, le blocage spirituel est une barrière. Le blocage est une barrière spirituelle contre votre succès et épanouissement dans un domaine de votre vie ou dans toute votre vie. Alors quand je parle aussi de mari de nuit comme sous-chapitre, parce que je sais que les maris de nuit, ce qu'on appelle mari de nuit dans un sens figuré, hein, on appelle ça un sens figuré mari de nuit parce que ce terme-là explique tout. C'est en réalité un esprit impur. Un esprit impur et qui vient la nuit pour avoir des rapports sexuels dans vos rêves. Mais nous allons d'abord essayer, et ces esprits impurs en général se comportent comme des vrais maris. Ce sont des démons qui sont jaloux. Ils deviennent parfois jaloux parce que vous devenez comme son mari ou son épouse. Et quand vous voulez refaire votre vie, ces démons-là parfois s'attaquent à votre mari. Ils créent des conflits dans le couple ou des fois ils attaquent physiquement. Ils rendent votre mari malade et le monsieur qui est avec vous ne comprend pas que depuis qu'il est avec vous, ses affaires ne marchent pas, il est tout le temps malade ou bien physiquement il a des problèmes sérieux et parfois sexuellement. Vice-versa. Le mari de nuit peut être un esprit qui attaque un homme, comme ça peut être un esprit impur qui attaque une femme. Conséquence, ces démons-là créent un blocage spirituel dans tes relations intimes avec ton mari ou ton épouse, ou même dans ta vie de famille. Alors, après avoir défini ce que nous appelons blocage spirituel, nous allons parler des origines de blocage spirituel. Je vais développer 5 origines. Le premier origine, c'est nos paroles. Vous savez, il y a des gens qui sont bloqués par leurs propres paroles. Vous savez, quand vous confessez les choses négatives, cela va vous arriver. L'homme se nourrit de ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais les démons aussi utilisent tout ce que nous disons de négatif. Faites attention à ce que vous confessez. Nos propres paroles. Et deuxième origine des blocages spirituels, les malédictions verbales. Par exemple, un père qui est fâché, qui dit à son fils, « Toi, tu réussiras jamais. » C'est une malédiction qu'un démon ou un sorcier peut utiliser. Ou bien une mère qui dit à sa fille, tu ne vaux rien. Voyez, les parents, faites attention aux paroles que vous prononcez à l'égard de vos enfants. Ou un mari qui dit à son épouse, de toute façon, on va divorcer. C'est une parole qu'il ne faut jamais prononcer dans votre couple. Même quand vous êtes en conflit, je vous conseille. Par rapport aux réalités spirituelles, nous vivons dans un monde qui est spirituel. Un monde qui est pollué des esprits mauvais et impurs. Un monde qui est devenu dangereux. Voyez, il y a des paroles qu'il ne faut pas prononcer. De toute façon, on va se séparer un jour. Voyez, vous êtes vous-même en train de maudire votre mariage. Des malédictions verbales. Et troisièmement, des malédictions occultes. Malédiction occulte, c'est le voisin qui va faire la sorcellerie pour que tu sois malade. Ou bien ton concurrent dans le travail, ou je ne sais dans quel domaine, il va faire des pratiques occultes pour détruire votre santé.
voyez, ça crée un blocage. Et quatrièmement, il y a le péché. Vous voyez, des fois, vos propres péchés vous poursuivent. Vous dites, je n'ai pas de chance. Mais tu es sorti avec la femme d'autrui. Tu es sorti avec la femme de ton petit frère. Vous voyez, tous ces péchés-là, il y a même des pères qui sortent avec la copine de leur fils. Vous voyez, ce sont des malédictions. Et même des enfants qui ont vu la nudité de leur père ou de leur mère. Vous savez que c'est une malédiction. Des péchés. Et cinquièmement aussi, il y a le manque de prière. C'est évident, quand vous ne priez pas, il y a certaines victoires que vous ne pourrez pas vivre. Nous voyons, dans la Bible, il dit que lorsque Moïse levait les mains et priait, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était le plus fort. Et donc là, on ne parle ni de sorcellerie, mais c'est seulement le manque de prière. Mais avant de continuer notre enseignement et de rentrer encore plus en profondeur, j'aimerais vous donner quelques versets. Quelques versets, vous donner une illustration de ce que nous appelons blocage. On va lire dans 1 Josué. 1 Josué, premier chapitre. Josué chapitre 1, le verset 7. Qu'est-ce que Josué dit? Fortifie-toi seulement et aie bon courage. C'est Moïse qui parle à Josué. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voyez, le plan de Dieu pour ta vie, c'est la réussite. Et j'aimerais vraiment que nous soyons clairs. L'échec n'est pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Si vous écoutez, mon beau gars, moi, je veux vous comprendre bien que moi, qu'a dit. Ici, nous n'avons pas qu'à parler de religion, nous qu'à parler de Jésus, nous qu'à parler de la parole de Dieu. Je veux que tu comprennes que l'échec n'est pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Dieu n'a pas prévu que tu puisses échouer, ni dans l'éducation de tes enfants, ni au travail, ni dans ton permis de conduite, ni dans ton mariage. Vous devez réussir. Et Dieu désire que vous puissiez réussir. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit, lorsque Moïse était parti auprès du Seigneur, il va parler à Josué. Il va dire à Josué, prends courage, fortifie-toi, observe la parole. Ne te détourne ni à gauche ni à droite si tu veux réussir dans toutes tes entreprises. Voyez, dans toutes tes entreprises. Le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et vous savez, il y a des gens qui ont la parole de Dieu dans la tête. Vous voyez, ils ont la parole dans la tête, mais pas dans la bouche. Ils connaissent tout le verset. Ils connaissent les cantiques. Ils connaissent les belles promesses de Dieu. Mais quand ils sont devant une montagne, la parole disparaît de leur bouche. Vous savez, la parole de Dieu est utile quand nous prions et elle est encore plus utile quand nous sommes devant Goliath ou quand nous sommes devant une montagne. Parce que la parole de Dieu donne l'autorité à tout ce que nous disons. Amen. Et nous voyons dans Psaume chapitre 1, le verset 3,
Il est écrit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et dites-moi un peu, vous ne trouvez pas que c'est merveilleux entre nous que tout ce que vous faites puisse réussir? Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu nuit et jour, car tout ce qu'il fait réussit, tout ce que vous faites doit réussir. Vous faites les affaires, ça doit réussir. Vous ouvrez une entreprise, elle doit marcher. Vous vous mariez avec votre épouse, votre mariage doit marcher. Vous élevez vos enfants doivent réussir. Voyez, moi, je bénis le Seigneur. Tous mes enfants réussissent. Ma première fille, elle a gagné un concours international de meilleurs élèves des grandes écoles de commerce. États-Unis, Allemagne, c'était le meilleur élève. Un prix international, elle a terminé. La deuxième, elle a 17 ans maintenant. Elle est à l'université à New York, dans la plus prestigieuse université d'architecture. Et elle est l'élève modèle première. Voyez, tout ce que vous faites, même vos enfants doivent réussir. Ça, c'est le plan de Dieu pour votre vie. Ça, c'est le plan de Dieu et j'en suis pleinement convaincu. Dieu dit que tu dois réussir, donc quand vous échouez, ce n'est pas normal. Quand vous échouez ou bien vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, ou bien il y a un blocage. Il y a un blocage spirituel. Et j'aimerais vous parler un peu de blocage. Et surtout vous donner des témoignages. Des témoignages personnels. Voyez, moi, je n'aime pas prêcher des choses fictives. Je commencerai de vous parler des témoignages personnels que moi, Bishop Eli, j'ai vécu dans ma vie. Dans mon enfance, dans ma famille. Et après, je vous donnerai des témoignages personnels dans le ministère que j'ai vécu en priant pour les gens. D'abord, dans ma famille, quelque chose m'a marqué. Voyez pourquoi Bishop Eli est révolté, énervé, en colère contre la sorcellerie. Et vous allez constater que je suis presque le seul pasteur qui dénonce publiquement et qui attaque la sorcellerie comme ça. Pourquoi les autres ne le font pas, ils savent. C'est leur problème. Vous savez, ma mère était la femme la plus héroïque que je n'ai jamais connue. C'était une très belle femme. Et c'est la personne que j'aimais le plus sur terre. Elle est maintenant auprès du Seigneur. Gloire à Dieu. Mais j'ai vécu avec ma mère longtemps sans connaître mon père. Ma mère a connu mon père à 17 ans. Elle était enceinte de moi et je suis né. Et après, mon père, comme tout bon vagabond, comme tous les hommes coureurs, il a disparu. Il est allé faire des études à plus de 500 kilomètres. Et il y avait un problème tribal parce que ma grand-mère, la mère de mon père, ne supportait pas ma mère, simplement du fait qu'elle était Moulouba, donc une autre tribu. Et ma mère, sa vie était bloquée. Conséquence, son mariage était bloqué. L'homme de sa vie était parti très loin. Et elle a rencontré d'autres hommes que on appelle communément tonton. Je connais des tontons qui viennent à la maison, qui vous adoptent. Vous dites, on a maintenant un père. Au bout de 1 à 2 ans, il disparaît. Un autre tonton vient et on est content. On dit, maintenant, on n'est pas seul, on forme une famille. Le tonton fait 1 an, 2 ans, 3 ans, il disparaît. Et c'était comme ça. Et là, ma mère n'était pas convertie. Le jour où ma mère s'est convertie, qu'elle a rencontré Jésus, un soir, pendant qu'on était en train de prier, on faisait une veillée de nuit,
Le Saint-Esprit a parlé. Ton mariage a été bloqué. Voilà. Je vous parle des choses que j'ai vécues. Je ne suis pas quelqu'un qui parle dans le vide. Ton mariage a été bloqué. Je me rappelle, j'avais à peine 8 ans, 8 ans ou 9 ans. Cette année ne passera pas. L'homme de ta vie reviendra. Je le ferai revenir. Vous savez, il y a des vraies prophéties. Hein? Malheureusement, il y a beaucoup de charlatans. Mais je vous dis que l'année n'est pas terminée. Mon père qui avait disparu presque pendant 8 ans ou 10 ans, il est revenu tout seul à la maison. Il s'est réconcilié avec ma mère. Ils se sont mariés et ils ont fini jusqu'à la mort ensemble. N'est-ce pas merveilleux? Son mariage a été bloqué. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de se retrouver, de voir, de dire, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez, des fois, on se regarde au miroir, on dit, mais je suis une femme belle. J'ai un bon travail. Et d'autres plus moches que moi sont mariés. D'autres plus médiocres que moi ont fondé une famille. Mais qu'est-ce qui me manque pour que j'aie un homme à moi? Tu te poses des questions. Et des fois, tu essayes de forcer. Tu rencontres quelqu'un, tu deviens gentil, tu te fais tout à tout, tu deviens comme une serpillère, tu t'aplatis devant le monsieur. Mais malheureusement, lamentablement, un jour, sans explication, le monsieur disparaît. On appelle ça blocage. D'autres appellent ça malchance. Voyez, vous avez besoin d'une délivrance. Si vous êtes concerné, venez à Jésus. Pourquoi il n'y a que Jésus qui peut délivrer? Ce n'est pas le diable. Hier soir, j'ai eu une dame qui habite en Guadeloupe, sans précision. Elle est venue, elle m'a dit, Bishop Eli, c'est la première fois qu'on a prié pour moi avec autorité. Elle va dans des églises évangéliques, mais jamais on l'a délivrée comme ça. Elle m'a dit, c'est la première fois que j'ai senti la puissance de Dieu. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Chers amis pasteurs, mes frères, dans toute humilité, réveillons-nous, délivrons le peuple de Dieu. Donnons la délivrance, donnons du pain. Donnez vous-même du pain, ils ont faim. Nous promettons aux gens la délivrance, nous promettons aux gens la liberté, mais on ne leur donne pas. Quelqu'un a faim, vous lui parlez du pain, midi 14h, il a faim, sers-lui à manger. Aujourd'hui, il y a un besoin énorme de la délivrance et vous ne faites pas les délivrances. Et quand quelqu'un d'autre le fait, tout le monde vient vers lui, vous devenez jaloux. Et Bishop Lee devient une bête à abattre à tout prix. Bon, tant pis, fâchez-vous. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire, des blocages. Je voudrais vous donner un deuxième témoignage. Le deuxième témoignage, c'était dans ma famille. Dans ma famille, tous les garçons, personne ne réussissait au bac. Je vous dis bien, tous les garçons. Les cousins, les cousins. Il n'y a que les filles qui réussissaient au bac. Je vous dis, il n'y a que les filles qui réussissent au bac. Tous les hommes, ils peuvent être brillants, ou bien ils tombent malades le jour d'examen du bac, ou bien ils font un accident, ou bien ils échouent sans rien comprendre. Mais personne n'est passé le bac. Et après, les garçons allaient, quand ils échouaient une fois, deux fois, ils se lançaient dans le commerce. Et un commerce tourmentant, comme un tourment qui n'amène à rien. Et c'était arrivé à mon tour, un enfant de Dieu que j'étais, de passer mon bac. Et quand on a commencé à jeûner, à veiller, une nuit pendant qu'on priait, ma mère a eu une vision, elle a vu ma tante. Nous avions une tante dans la famille, cette tante-là pratiquait l'occultisme, il y a l'occultisme et il y a le satanisme. Elle était sataniste, donc son esprit quittait son corps. Ma mère a vu cette tante en vision venir avec le bac
elle a jeté par terre, elle a pris la fuite. C'était ma délivrance et j'étais le seul, le premier dans toute la famille étendue à avoir brisé cette malédiction. J'ai réussi mon bac avec distinction. Et après moi, tous les restes des garçons ont commencé à réussir. Vous voyez, les blocages existent. Je connais des gens, même dans les affaires. Ils peuvent monter une affaire, chiffre à l'appui. Tout est là pour qu'ils réussissent. Mais il y a toujours un événement malheureux qui arrive. Ou pendant qu'il prépare son affaire, un cyclone passe et toute la marchandise disparaît. C'est seulement l'année où il veut se lancer, c'est l'année où le cyclone vient tout abîmer. Bien sûr, logiquement, on dit, ah, c'est la malchance. Je n'ai pas de chance dans la vie. Oh my God. Mon petit bonhomme, mon ami, je vais te dire, quand on a Jésus, on a toujours la chance. Accepte Jésus-Christ. Parce que vous savez, il y a des pactes de foi. Hier, je parlais avec un jeune homme qui m'a dit, on m'a dit que je suis né avec un don. Je tiens à vous dire, on n'est né pas avec des dons. Il n'y a que Jean-Baptiste qui est né rempli du Saint-Esprit. Donc, avec les dons du Saint-Esprit, il y a Samson qui est né rempli du Saint-Esprit, avec les dons dans son ventre. Mais nous les autres êtres humains, quand vous naissez, vous avez besoin d'accepter Jésus. Tu ne peux pas naître avec un don. Quand tu nais avec un don, vous l'appelez don, mais ce n'est pas un don, c'est un démon. Ah, je suis né avec mon don. Non, c'est un démon. Les dons, c'est quoi les dons? Les dons, c'est un esprit qui fait un travail spécifique pour toi. Par exemple, un don de vision, c'est un esprit qui te montre des visions. Un don de prédiction, c'est un esprit qui te montre l'avenir. Bon. Quand vous êtes né avec le Saint-Esprit comme Jean-Baptiste et Samson, rempli depuis le ventre de ta mère, vous naissez avec les dons de l'Esprit aussi. Mais quand tu n'es pas chrétien, tu nais avec des dons, tu ne sais pas d'où ça vient. Ce sont des malédictions, des démons. Ton grand-père a pratiqué l'occultisme, il est mort, il a laissé l'occultisme en héritage. Et cela est tombé sur toi. Tu nais, tu dis, tu as des dons. Alors que tu n'as pas des dons, tu es chargé des démons qui travaillaient avec ton grand-père. Ces mêmes démons maintenant vont travailler avec toi, mais dans l'ignorance, on dit, ah, tu es né avec des dons, tu peux voir l'avenir. Mais je vous dis que ce sont des démons. Et c'est comme ça que des gens naissent avec des soi-disant dons, alors qu'ils ont besoin de délivrance. Vous savez, le diable s'est maquillé pour se faire accepter. Si on vous dit que, viens, on va prier pour toi, tu auras un don, tu vas accepter facilement. Mais si on vous dit, viens, on va prier pour toi, tu auras un démon avec toi, tu vas fuir. C'est comme un homme, il a une bague. La bague est travaillée. Et tu vas voir un sorcier qui te dit, écoutez, on va travailler cette bague-là, tu mettras ça sur ton doigt et cela va te protéger. Une bague en or, il n'y a rien de grave, tu mets la bague. Mais vous ne savez pas que cette bague-là est une alliance avec un esprit qui est derrière. Parce que comment un objet en métal peut te protéger? Dis-moi. Comment un objet en métal peut te protéger? Ce n'est pas possible. Donc cet objet en métal-là, c'est comme un mariage avec un esprit que tu ne vois pas. Alors le diable, mais si on te dit ouvertement, écoutez, tu mets cette bague-là, tu auras un démon avec toi qui va te protéger, marcher avec toi. Je crois que la plupart des gens auront peur et vont refuser. Mais pour avoir les gens facilement, le diable se cache derrière de beaux mots. Protection, vibration, voyez, vibration, les ondes positives, négatives, tout ça ce sont des jeux de mots. Dans ce monde, il y a les esprits méchants, mauvais, impurs, et l'esprit de Dieu, un point très. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de vibration, non. Tu as des démons ou tu as le Saint-Esprit. Et des fois, croyez-moi, il y a nos parents qui ont sacrifié leur descendance. Parce que quand vous demandez un service à Satan, il faut payer en contrepartie. Voyez,
Il y a par exemple un médecin qui a fait pacte avec Satan pour être le plus intelligent. Dans ses études, c'est une famille pour laquelle je priais ici, en Guadeloupe. C'est un homme qui a réussi brillamment ses études. Voyez. Mais le problème, c'est que cet homme-là, il a fait un pacte avec Satan. En contrepartie, il a donné l'intelligence de tous ses enfants qu'il aura. Et cet homme-là, il est super intelligent, mais tous ses enfants, quand c'est les examens, ils échouent. Ou ils sont malades, ou ils ont des maux de tête, mais rien ne marche pour les enfants. C'est alors que la mère va amener ses enfants pour me voir à l'église. Quand je vais imposer les mains et prier, les démons vont parler. C'est le père qui pratique la franc-maçonnerie, c'est le père qui est loin dans l'occultisme, qui avait sacrifié les enfants. Et on a fait la délivrance et le père était démonté parce qu'il a senti là où il était qu'il y avait quelque chose qu'on cassait. Ça arrive plusieurs fois que vous naissez, vous n'avez rien fait du mal, mais vous payez les dettes spirituelles, les crédits spirituels de vos ancêtres. Vous payez les crédits spirituels de vos ancêtres. Ton grand-père pratiquait l'occultisme et il a fait des pactes avec le diable et cette malédiction reste dans ta lignée. Et toi, tu dis, mais je ne comprends pas, il y a un blocage dans ma vie. Il y a un blocage. Je ne comprends pas, ça ne marche pas. Il y a des familles où les filles ne se marient pas. Elles sont belles, des belles chabines, mais pas de mariage. Même quand elles se marient, ça finit par le divorce. Vous voyez, c'est toute une malédiction. On dit, mais ma vie est bloquée. Viens à Jésus, il va te débloquer. Il va te délivrer, crois-moi, Satan ne peut pas chasser Satan. Même des fois, on est chrétien, il y a certains chrétiens qui restent bloqués. Parce que d'abord, ils ne sont pas enseignés. Je connais même des pasteurs qui sont bloqués. Je vous dis, je connais même des pasteurs qui ont des blocages sérieux. Il faut les débloquer. Jésus est venu, il a payé le prix pour que toi, tu sois libre. Pour que toi, tu sois délivré. Et je vous dis, ce n'est pas payant. Viens à Jésus, Timon à moi, Bouga à moi. Viens à Jésus. Viens recevoir gratuitement ta délivrance. Viens recevoir gratuitement ta liberté. Viens recevoir. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire, ils débloqueront. Le déblocage commence lorsqu'on chasse un démon. Vous voyez, pour débloquer quelqu'un, on impose les mains et on chasse les démons. Et quand le démon s'en va, ta vie est débloquée. Voilà un peu ce que je voulais discuter avec vous. Mais maintenant, je vais développer un sous-chapitre de ce que j'ai prévu. Nous allons parler des maris des nuits, des esprits impurs qui viennent donner des rêves érotiques à certaines femmes mariées et célibataires, ou bien à certains hommes. Mais je tenais à préciser que tous les rêves érotiques ne sont pas démoniaques. Ce n'est pas parce que tu as rêvé d'un homme. La Bible montre que il y a des rêves qui viennent de Dieu, il y a des rêves qui viennent des démons, et il y a des rêves qui viennent de la chair. On va voir cela dans Ésaïe chapitre 29, le verset 8. Ésaïe chapitre 29, le verset 8. Comme celui qui a fait un rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Voyez. Ésaïe 29, verset 8. Donc celui qui a faim, il rêve qu'il mange. Et quand il se réveille, il n'y a pas à manger. Celui qui a soif, il rêve qu'il boit. Donc il y a une relation, une corrélation entre nos rêves, certains de nos rêves et notre besoin physique.
Et parfois même, il y a une corrélation entre des fois certains événements de notre vie. Par exemple, quelqu'un qui a fait la guerre, j'en ai connu des gens qui ont fait la guerre, ils ont vécu des traumatismes et des événements tellement graves. Des fois, quand ils dorment, ils rêvent de rêves cruels, des rêves horribles, et parfois ils se réveillent en sursautant, on appelle ça cauchemar, ce n'est pas obligatoirement un démon. Mais par contre, il y a des rêves érotiques, parce qu'on a une fois tous les trois mois, vous êtes un célibataire, et biologiquement c'est explicable, quand vous avez du sperme en abondance en vous, et cela vous amène à rêver d'une femme la nuit, et en fin de compte, quand vous vous réveillez, vous voyez que vous avez mouillé votre, vos habits, c'est pas toujours le diable, voyez. Mais par contre, il y a des maris de nuit, des esprits qui viennent coucher avec votre femme ou avec votre mari. Et ces esprits-là donnent des rêves érotiques qui sont aussi réels que réels. Et sauf que rien n'est physiquement réel. Mais la personne qui rêve, c'est comme s'il avait des rapports réels et des rapports plus réussis, plus intenses que dans la réalité. Et cela crée un blocage. Vous êtes marié avec une femme qui n'est plus satisfaite avec son mari parce que le plaisir qu'il a, c'est démoniaque. Ça vient d'un démon qui vient s'accoupler la nuit avec elle. Et des fois, ça crée des tensions et le pire, des fois, ces démons-là s'attaquent à l'homme. Ce sont des démons qui deviennent jaloux. Ils se comportent comme un véritable mari. Et des fois, moi, j'ai vu des femmes qui ont des maris de nuit. Quand ils rencontrent un homme et qu'ils commencent à sortir avec cet homme, les démons s'attaquent à l'homme. L'homme devient malade. L'homme fait d'accidents. Ou l'homme a des problèmes sexuels parfois. L'homme devient malade. Il y a tellement de complications que le monsieur lui-même dit, mais écoutez, depuis que j'ai rencontré cette femme, ça ne va plus dans ma vie. Il n'y a problème là. Et monsieur qui prend la fuite. Voyez, c'est le mari de nuit. Et ce genre de démons crée un blocage dans votre vie sexuelle et dans votre mariage. Que cela soit pour des hommes comme pour des femmes. Vous avez besoin d'un déblocage, d'une prière de délivrance. Voyez, vous pouvez aller voir le marabout. Mais Satan ne chasse pas Satan, c'est écrit dans la Bible. Jésus dit, si Satan chasse Satan, comment ce royaume subsistera-t-il? Vous avez besoin de venir voir un bishop ou un pasteur comme moi. Matrimonio. Biblia dice: esposo, enfrenta con
hacemos. Aleluya. Más tú entregas bien esta Dios que te bendice. Y más tú lo honora, está mucho finanza que va. Muchos más, muchas familias no bendecidas porque Satanás entra, porque hay problemas entre disputa. No permite un día disputa en la familia, porque en un día tú puedes perder tu vida. Armonía, shakabamaya, malabalaba. Aleluya. Recibe la gloria de Dios, la victoria. Me imagino, tu hermano, a veces como yo, como tú, recibe, aleluya, no tienes temor, Dios es tu sanidad, Dios es capaz, aleluya, aleluya. Délivre-moi de mes oppresseurs, sans raison ils cherchent ma fin. Seigneur, répondez mes orations. Hear my prayer, my God. Soki otikingai papa, nakosuka wapi. C'est toi ma force, Jésus, et c'est toi que j'aime. C'est toi ma sécurité, ne me laisse pas un seul instant seul. C'est toi que j'aime. I love you, my God. Yo te amo, Jesus Christo. Je t'aime, Jésus. Te amo mucho, Jesus. Je t'aime, Jésus. Te amo mucho, mi Señor. I love you, my God. You are all for me. There is nobody as like you. Mokota kokani na yo papa nangai. Qui pourra m'aimer comme toi tu m'aimes? Oh Jésus, j'aimerais te dire, moi et toi c'est pour la vie. Tu es plus beau que la plus belle des femmes. Le sang de Jésus
Chaque fois que tu es malade, chaque fois que tu te sens perdu, chaque fois que tu sens que tu es oppressé, chante ce chant. Chante ce chant et invoque le sang de Jésus. Les démons ne peuvent pas résister au sang de l'agneau. Et le sang de Christ. El sangre poderoso, the blood of Christ. Invoque le sang de Jésus dans la détresse. Invoque le sang de Jésus dans le combat. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus t'ouvre l'accès au ciel. Et le diable ne peut pas résister au sang de l'agneau. Invoquons le sang de Jésus. Il ne se lasse pas de pardonner. Il n'y a aucun péché trop puissant devant le sang de Jésus. Certains sont tombés, certains t'ont abandonné. Tu m'as gardé fidèle à toi, oh Jésus. Gracias, Señor, por todos que tu haces en mi vida. Para tu paciencia, gracias, Jesús. Thank you, Lord, for everything. You do in my life. You are so good for me. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour ton sang. Merci pour ta longanimité. Merci Jésus. Studio Meso. Esikaya Kal. Musalaya propre. Pe akimia awabayi bakate.